joueur. Donc, ici, on tourne un petit peu, on tourne à droite là, voilà, on a ça, c'est l'organisation terrain, ici, voilà. Après, on a le coin du feu, vas-y, profite, c'est un live, voilà, hop là. On va être un peu près, mais bon, voilà. Ça alors, va se passer. Attends, pas trop près quand même. Voilà. Donc, là, tu vois, joues. Tu vois mes poils, c'est bon? Tu joues, toi? Ouais, un petit peu. On va essayer. C'est un direct, hein, fais gaffe. C'est un direct? Eh oui, c'est un direct. Salut tout le monde. Voilà. Donc, c'est Shadow Clown. Shadow Clown, ouais. Ouais. Et t'as qui dans le roster? On se marre. On a Captain Chanchan. Il faut venir voir Carlos. Super GM. Chester et Valentin. Au centre. Voilà. Captain Chanchan. Et vous allez voir avec lui. À son grand âge, là. Vous avez pris le déambulateur? Ouais. Et il pompe avec l'Alzheimer? À avec le Parkinson. Bon, il a pas dû tirer de lui depuis 15 ans, mais ça va le faire. C'est un peu moins, parce qu'une fois il est venu jouer ici, il y a pas si longtemps que ça. Ouais, non. Bon, on va dire en compète. Ouais. Ah, en compète, bien sûr. Bon, ça va être sympa. Salut. La forme. Faut juste que ça se réchauffe un peu. Ah ouais, là, je veux dire que je me suis bien pelé en venant. Hein. En plus, il y a le marathon de Paris, là, c'est le bordel. Vas-y, Pat. Vas-y, filme. Eh non, non, non. On n'est pas les Wonder Non. On s'est pas ta, hein, peut-être. Ouais, parce qu'il a foutu. Ouais, parce qu'il a. Il s'amuse à faire son déhanché comme ça sur la vidéo. Et la vidéo est sur internet. C'est con pour toi, hein. Bon, c'est bon, j'ai du boulot maintenant. Je suis plus en recherche d'emploi. Ouais, ouais. Bon, tu joues pas alors? Non, je joue pas parce que j'ai. C'est mal, on joue aussi. Tous, on a tous c'est un maladie. Eh ouais, c'est vrai. Donc, nous, on a trouvé un genou qui va bien, mais on l'a laissé à la maison. Moi, j'en ai un sur deux. Voilà. Eh ouais, pour ça. Bon, allez, je vais faire un petit tour des équipes, parce que là, il y a du monde qui est dessus. Donc, ce qu'on entend, c'est le compresseur. Donc, on a une petite équipe qui s'appelle Carnage, je crois. Donc, je crois que c'est une petite équipe amateur. Parce qu'ils ne sont même pas foutus de jouer avec des lanceurs mécaniques. Si, monsieur, si, monsieur. Bon, à part, à part un ennemi. Voilà. Donc, cherchez pas à bousculer les obstacles, il n'y en a pas. Ils sont fixes. Hein. Donc, je dis ça pour Captain. Hein. Il joue pas Captain? Faudrait qu'il soit là déjà. Il est pas là? Ah bon, ouais, ça va. Donc, il ne pourra pas tamponner les obstacles en moins de 10 secondes. Et ce qu'il se trouve derrière. Alors, voyons voir ça derrière. On a quoi? Ah putain. Donc, on va y arriver. Donc on a, je crois que des scalps. Voilà. Donc on a un... Attends. Attends, j'arrive pas à me faire rester. Salut Pat. Voilà, donc on a notre la taupe. Donc fais pas de trou ici, tu trouveras pas de pétrole. Voilà, le grand jus. Voilà. Ah tiens, on a récupéré même un sudiste. Putain. Oh le pauvre, qu'est-ce qu'il va prendre? Putain, il est... Bon, alors, on va continuer un peu le petit tour d'horizon. Si on ne prend pas les pieds dans le matos. Ça va? T'es en forme? Tiens, regarde. Merci. Du monde. Merci d'être là. Voilà, il y a du live. C'est beau, hein? Tiens. Attends. On tourne. Voilà. Ça, c'est l'organisateur. Bonjour à tous et merci d'être là. Voilà. Et merci d'être là. Ah bah oui. Alors grâce à Pat, vous allez avoir en exclusivité les images de cette journée exceptionnelle, qui est la première d'une longue série à venir. J'en suis convaincu. A tout à l'heure. Voilà. Ah. C'est ça, le jeune bol, il est un peu rouillé. Voilà. Attends, mais pourquoi? Mais du temps. Alors, je sais pas si on pourra faire beaucoup de live. Tiens, on a un ennemi. Un ennemi pas très frais. Non, non, lui est là. On va se marrer quand on va se faire STO. On va se dire putain, j'ai cassé dedans.
Où est-ce que je désactive l'œil? Ce n'est pas un intimidator. C'est un mécanique. Ah, ça commence les fuites. Et voilà, l'usine à gaz. Là, c'est le métier client. Ouais. Donc, après, on a les hachots châtires. Ok. Hardwood, au fond. Alors, les Shadow Clowns, ce qu'il en reste. Live. Et puis après, tiens, on va faire une soirée. Alors là, ouh, que c'est beau. Que c'est beau ce machin-là. Voilà, je vous montre un peu plus. On est. Voilà. C'est quoi ce machin? Alors ce machin-là, c'est un M570R. Donc c'est la version poignée mécanique. Voilà, il est juste en dessous, voilà. Si j'avais le repéré. Là, il est beau le truc. Voilà, version mécanique. 570R de chez Eclipse. Voilà, avec un peu de Predator. Voilà. Avec une belle tenue. Donc en général, je crois qu'il faut viser le haut du headband. Ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'est l'alien. Parce qu'il en reste. Ah. Ouais. Il y a du alien. Bon, on va faire un tour sur les terrains. Donc après, nous avons une partie, c'est le stand. Voilà. Alors, il marche mon truc ou pas? Non, j'arrive pas à monter la vélo. C'est bizarre ça. T'as changé l'insert? Est-ce que ça peut peut-être frotter à cause de ça? Ouais, ouais, faut attendre qu'il se réchauffe un petit peu. Alors, nous avons quelques lanceurs. On va dire que c'est des lanceurs de location. Voilà. Donc il y a un peu de tout. Donc, même si la plupart ils ne peuvent pas jouer parce que bon, surtout celui-ci. Parce que la carte ne permet pas justement de passer au niveau du format 5-5. Voilà. On a quoi? Le machin bleu là, c'est un autoclocker vertébré. Donc on a du splash. On a un die réflexe. On a du Vengeance, Z-Force, ah, un pompe, tiens, un pompe qui n'est pas dans le coqueur. On a quoi d'autre? Un truc, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah non, c'est le t-shirt qui vaut 15€, c'est pas le lanceur. Donc on a un peu de tout, on a du free flow, on a du race gun, comme celui-ci. On a du fusion ici. On a un truc rafistolé avec un corps avec une carte d'ail et compagnie. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Donc, ok, ça tombe. Salut Pat. Salut. De l'alien. Voilà. Alors, vas-y, un petit mot, c'est du live pour ah, nous. Ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir de revenir dans les bois, de revenir. Voilà, c'est bon. Dans le terrain d'origine et puis de jouer aussi des grosses équipes qui se sont prêtées au jeu. Donc c'est vraiment cool quoi. Et bah, aujourd'hui, on va essayer un petit peu de faire cacher. De faire un score. Faire un score, on est venu aussi, surtout même pour s'amuser. Donc,
Donc c'est cool. Ouais, ouais, on va essayer. Hein. Bah, merci à toi d'être là. Hein. Bah, on va voir ce que ça donne, les matchs. Alors, ta fine équipe, elle est au fond. Voilà. Ouais, je sais. J'ai vu ça. Ça se prépare. Hey, yeah, on joue Predator. Hein. J'ai pas vu les poules encore. Ah. Non, mais je crois que tout le monde joue tout le monde. Bah oui, c'est un, c'est quoi, c'est 9 équipes, donc 8 matchs, à peu près. Ouais, c'est ça, concrètement, ouais. Ouais. Ouais, j'ai vu ça, derrière. On essaie de se réchauffer un peu, parce que là, on se les gèle un petit peu, là. C'est bien, ils ont le chauffage central. Ouais, c'est bien, ils ont bien un chauffage. Bon, on va voir ça, ce que ça donne. Tu vois, moi, je les laisse bosser, ils remplissent les billes. Et après, moi, je me pointerai en disant, c'est bon, mon gain est rempli. Ouais. Mais attention, hein, tu joues avec un œil ou sans œil? Je vais essayer de jouer avec les deux yeux. Non, mais sur le lanceur. Oui, je sais. Bah, là, du coup, avec œil. D'accord. On est en électro, KP 5-5. Parce qu'il y a un truc, c'est que si tu désactives l'œil, t'es censé aller plus rapidement. Ah non, ils sont... Eh oui, parce qu'un certain, il y a ça. C'est pour ça que... J'ai mis une petite réserve là-dessus. Oh, je pense que chacun est venu jouer le jeu, quoi. Ouais, ouais, bah j'espère. C'est pas un tournoi de triche ou quoi que ce soit. Tout à fait. Bon, bon, je vais les aider. On va aller faire un tour sur les terrains. Allez. Attendez. Ça. C'est bon. Ah, on a un président loisir qui cherche à se connecter. Voilà. Et une organisation, voilà, avec les deux tauliers. Live. Ils sont là. C'est en direct. Ça roule ? Il y a 8 clampins dessus. 8 clampins, ce temps-là ? Qu'est-ce que vous faites ? Ouais. Venez plutôt. 7 ? Merde, j'ai des clampins, j'en ai perdu un. C'est cool, tu travailles à ma place. J'aime. Ouais. J'aime. Non, mais moi, je ne sais pas les. Ah, mais c'est professionnel. Je vais pas filmer tes locs, hein, en forêt. Il y a du café, des croissants. Voilà. Est-ce que je peux avoir une bière, s'il te plaît ? Une bière, bien sûr. Une bière, putain. Prends une bière à ton âge, toi ? Ouais. Il est un peu tard. Donc celui-là, là, le masqué, c'est un des tauliers du terrain. Voilà. Ah, je t'ai repéré, hein, c'est un live, c'est mort. Eh oui, c'est direct. Comme ça, tu peux plus te cacher derrière ton vélo. Eh ouais, voilà. C'est pas du café. Eh voilà, Thomas il te regarde, hein, fais gaffe. Il est là, Thomas. Bonjour Thomas. On est là depuis 6h, ça se passe super bien. Ouais. Non, c'est pas vrai, on est arrivé. Ouais, ouais, c'est ça. En avance, hein, moi je pense. Toi tu. En avance ce matin. Oui, oui, ouais, oui, ouais. Oui, bien avant nous. Bien avant nous. On s'embarque dans les deux. Ouais. Par contre, le tampon est tourné hier. On a bien fait terminer à 22h hier soir. Alors, donc là, bah, ça va pas tarder. Ils sont en train de... Il y a les tests chronis. Ah, quand même. Il y a le Guigui qui est en train de. Est-ce que Pat Gallo, from Spirit of Fate, a eu le temps de prendre un petit déjeuner? Pas encore. Bah, regarde. Pour ça. Ah, ça, ouais, ça, ça vois, filme. C'est ça, pas ça mal, filme. Hein. Attends, ça filme. Pas tous les jours, hein. Pas encore, là, parce que là, je suis en train de me. J'étais un peu congelé pendant le transport. Non, parce que. Voilà, donc il y a le petit coin. Voilà. Avec de la banane. Donc on peut faire du Super Mario en jetant des bananes sur l'adversaire pour le faire glisser là, ça, pour mieux le shooter. Ouais, mais bon, voilà, on mélange tout, mais bon, faut innover en quelque Super sorte. Mario, tu peux jeter des boules de feu, mais ils vont apprécier moyen les peines de les boules de feu. En plus, on a la zone chronique juste derrière. Voilà. Voilà. Bon. On a un petit peu. C'est parti avec les trois. Ah, il y a des jerseys d'époque. Ouais, voilà. Ça, c'est un bon petit jersey des années 90. Dans son jus, sans les trous. Ah ouais, il est beau, hein. Ah, c'est un collector, celui-là. Ouais, on va faire un tour sur les équipes.
Donc là, on a les Predators avec leur belle cible là-dessus. Voilà. Donc, on a un touriste marseillais. Hein? Ça va pas. T'es venu avec quoi, toi? C'est quoi ton lanceur? Un Inception là-bas. Un Inception? Ouais. C'est même pas un vieux truc. J'ai filé mes vieux trucs, merde. Oh là là, je crois pas. J'ai eu un plus faux à moi. Ouais. Un météore. Ah, j'en ai un comme ça. J'ai le même. Merci Fab. Non, mais ça, c'est pas. Non, moi, le mien, c'est un pur jus, moi. C'est pas. Un truc rafistolé. Avec de l'inception. Des morceaux d'inception dessus. Non, y'a pas d'inception sur ça. J'ai eu encore, et après, je fais ce que je veux avec. Voilà. Ok. Bon. Allez. Hop. Ça se prépare doucement. Voilà. Donc là, nous avons la team ennemie. Attends, on dirait qu'ils ont refloqué les jerseys exprès. Ok. Les scalps juste à gauche qui sont en train de se préparer. Ah, les carnages, bon, ils sont partis à la buvette. On n'en voit plus. Voilà, tiens. On a un touriste aussi là. Tiens, je connais ce type là. Hein? Et voilà. Donc, hein. Mon petit doigt d'organisateur me dit que Predator va jouer contre Predator sur le terrain 1. Comment ça? Il y a deux équipes Predator? Ah, c'est quoi? C'est Maasai et Zulu? Ah, d'accord. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul roster. Mais il y en a deux. Terrain 1, c'est lequel? Celui-là ou l'autre? Terrain 3. Ouais, moi, ça fait longtemps que j'ai pu passer, moi. Mais... C'est combien d'épaisseurs, au fait? 3 épaisseurs. 3 épaisseurs? Ouais. Et dès qu'on dépasse les 10 degrés, ça devient 2 épaisseurs? Moi, tu sais, le règlement. Ouais. C'est le règlement millénium mécanique. Bon, on va faire un tour sur les terrains pour voir ce que ça donne. Alors, voyons voir ça. On va essayer de mettre dans le sens du vent. On va passer par la zone chronie. Et juste derrière nous. Donc là, on passe au remplissage. Et bang! Ah, ça commence bien. Ils sont pas réveillés, les mecs. Voilà. On a le Marseillais qui essaye de se connecter. Il va tout faire péter. Ça avait gonflé, ça avait gonflé la bouteille, je crois. Ouais. Il a éclaté le joint. Ah, non, on a un bien. Et voilà. N'oublie pas que Marseille te regarde. On a des Marseillais là qui sont connectés en live. Tu vois? Et ils vont te voir en live, prendre ton. Et ils vont mettre. Ils vont te regarder en live, prendre ton carreau. Oh putain, on a même l'ennemi là, il a tout fait. Il a même camouflé son lanceur. Donc s'il se jette et qu'il lâche son lanceur, il est perdu dans les feuilles. Il y a un match, en fait, c'est contre 13. Où ça? Là-bas. Terrain, numéro 1. Allez, on y va. On va voir quelque chose. Si on touche un. Après, c'est le capitaine qui a gagné qui amène la feuille de match. Ah ouais. Donc, si on touche la cible sur les bandes, voilà, c'est les doubles points. C'est ça, automatiquement. Attends, on fait un petit peu. C'est pas évident. Hein. Ah.
a même le jersey floqué. Ils font ça bien, hein, le Falsbourg, hein. Eh ouais, le Toki, le Pente. Putain, ça fait longtemps que j'ai pu passer là, en ce moment-là. Putain, ça me rappelle pas mal de souvenirs. Attends, avant que Pomponne n'était une forêt vierge. Même une zone joueur, une zone arbitre. Oh là là. Ça va être ceux qui veulent vraiment dire. Mais qui font tout le. Alors. Monsieur l'arbitre. Bonjour. Oh, bonjour. Ça va, hein. On commence par les British. Les British. Les 1 contre les 2. Les bleus contre les rouges. Les bleus contre les rouges. Au brassard. Juste, il parle pas une langue normale. Bah oui, bien sûr, il parle british. Donc oh, on a. T'as mis le masque camo. Waouh. Wow. Ouais. Attends. Tain. On se fout. C'est pour dire qu'on verra ton jersey, on verra pas ta tête. Les zéro ref sont perdus dans les bois. Ah. Tu vas rien voir toi en soirée avec ta misère. Ok. Non, c'est bon là, je vais voir. Ok. Donc là, nous avons une base de départ. Là, c'est la partie chronie. Voilà. On teste le chronie pour tout le monde. On a le photographe culinaire là qui va se placer. Hein? Attention aux branches, hein. Donc nous avons une base de départ qui doit être sur le côté gauche. Et l'autre base de départ qui doit être au fond de ce côté-là. L'arguez, c'est de quel côté? Un côté. Ils sont très énervés. Ah ah. Ah ouais. Ah où? Tu sais, moi, j'attendais avec impatience. Attends. Masai. Masai. C'est Zulu contre Masai. Ouais. Ouais, mais je l'avais pas dit. Je vous avais joué le premier comme ça. Ouais. Pas de possibilité. Pas d'enjeu. C'est clair. C'est clair. Ouais. Non, mais aussi. Bon, ça me semble. Ça se lance, c'est Et le drapeau, il est situé où à peu près? Ils ont habitué pour les pires. Là? De quoi? Drapeau. Bah, c'est le truc orange. D'accord. Ah oui, mais bon. Excuse-moi. Hein. Il va y avoir une bagarre. Non, là, c'est vrai. 10 secondes. Ça pour éviter le drame, mademoiselle. Putain. C'est parti. Ah, il y en a déjà, il est au niveau du drapeau, au centre. Bah, si on arrive à le voir, j'essaie de faire un petit zoom. Non, faut pas. Il va pas zoomer. Putain, mais on dirait qu'on a marre. Ça pour éviter le. Putain, il le voit pas. Il y a Qu'est-ce qu'on a de beau? En Longmont, on voit pas grand-chose. Hein. Il y en a un qui est situé quasiment à côté du drapeau. De notre côté, ah tiens, on a un touriste sur là. Si vous le repérez. Ah, il a bougé, voilà. Donc, on a un prêtre de ce côté-là qui nous montre son petit cul. On a au niveau drapeau, rien pour l'instant, il n'est pas engagé, personne ne lui tire dessus.
Ah si, ça commence à tirer. Voilà. On a le pied du drapeau. Côté gauche, il y a quelqu'un dessus. Donc c'est peut-être pour tester. Donc il y en a un qui est planqué là, il y en a un qui est caché au centre, il y en a un qui bouge. Et j'en ai un à l'obstacle à droite, dans le monde au fond. Ah oui, c'est pas pour la couleur. Qu'est-ce qu'on en a ramené des coups? Ah ouais, on avait marre. Non, alors ramenez le magasin, ramenez le magasin. Ça sera bien, merci. Bon, vous aviez pris de l'avance, ça avait dit. Vous avez déjà pas mal. C'est bon, vous croyez qu'on est un magasin? Oui, c'est ça. On a un centre là-bas. Ah, ils vont la jouer. Pour l'instant, personne n'est éliminé. Joueur à droite. T'as été voir Yoann là-bas qui joue là? Dans les tubes? Voilà, semblant. Il y a Yoann qui joue là-bas, tu dois aller voir. C'est un peu la garde de position. Donc c'est le premier qui bouge, qui pète en quelque sorte. Pas évident. Donc nous avons un joueur sur le côté gauche, debout. Celui qui est devant moi qui est assis, et un autre joueur à droite, c'est un obstacle debout, également debout. Pour le moment, personne n'est éliminé. C'est bien garde de position en quelque sorte, ça bouge pas. Un joueur est éliminé. Côté droit. Ça communique beaucoup. He's on me, he's on me. He's hanging out in field, in field. Live. C'est beau, hein? Ouh, ça a bien avancé d'un coup. Ça va être très chaud, le duel. Keep going,
avons un joueur qui est carrément à l'opposé du terrain, qui essaie de l'éliminer, mais il n'arrive pas à poser marchage. Par un arbitre éliminé. Donc nous avons deux joueurs Predator bleu éliminé contre aucun joueur rouge. Nous avons un joueur qui a avancé en progression à ce niveau-là. Un check, ah, un rouge éliminé. Donc il nous reste un rouge avancé là. Nous avons à droite, nous avons un joueur vers le centre. Derrière un tas de bois. Alors, non, je ne peux pas zoomer, donc je peux pas. C'est pas évident pour capter. Et juste au fond, sur la bande opposée, nous avons un joueur à genoux sur un obstacle droit tout au fond. Donc il nous reste 3 joueurs côté droit et 4 joueurs côté gauche. Ça recule au fond à gauche pour essayer de se replacer. Le joueur du centre côté droit en rouge vient de se faire éliminer. Un joueur côté gauche de se rééliminer. Donc il reste, ils ont pris le drapeau côté droit, il reste un joueur au centre qui se fait, oulala, ok. Alors est-ce qu'ils ont réussi à raccrocher? On attend la décision des arbitres. Bonjour déjà, jeune homme. Un gros brother dans les bois. Ouais. Il s'est perdu. Oh non, je connais bien. Bien. Donc l'équipe Predator rouge a gagné contre l'équipe Predator bleu. Donc là maintenant nous avons les Shadow Clowns, un mix des Big de Clowns et d'autres joueurs avec des tenues camouflées relativement disparates. You was lying down in the grass. No, I was opening up the barricade, fighting Sean, and yeah, you shot at me, and then I turned. Well, I shot him, just put 5 balls. Yeah, yeah. Get your punch, Sean! You got your punch! Par contre, hey Aurel, on peut garder des clés de voix. Tiens, nous avons un petit chinois. Salut Pat. Je suis pas chinois. C'est Spirit, hein. Bonjour tout le monde et bienvenue au Woosball. Jouez Mika, jouez Pompe.
Où est ton pompe? Hein? Où t'as mis ton pompe? Je pense qu'on pourra adapter. À partir d'un certain âge, plus de pompe. Je pense qu'on pourra adapter. Donc on a quelques lanceurs locaux. Ah, un automag. Ouh là là, ça c'est un automag un peu spécial là. Parce que là, le mec, il a carrément sorti les vieux clous. Oui, ça a joué. T'as une note de snipe? Il marche en CO2 en plus. Pourtant, j'ai bien regardé le règlement, c'est pas interdit. Vous en faites quoi là? On a du CO2 ici? Non. Bah, regarde la bouteille. C'est une alu, non? C'est une alu avec une valve off. C'est du CO2. Non, c'est au CO2. Tu es arrivé, c'était pas le début. Avec, là, ça, avec le casco et tout. T'as vu, il a combien de système R là? Il n'y a pas de système R, c'est du CO2. Oui, enfin, oui, non, mais d'ASA, je veux dire. Oui, ben, ça, c'est la chambre de décompression, ici, pour empêcher la phase liquide. Et le CO2, toi, t'as pas connu ça, toi? Bah non, j'ai connu l'antisiphon, voilà. Ben voilà, avant, le paintball, c'était ça. Avant, j'avais un antisiphon. Ben, il y a un antisiphon, normalement, sur la bouteille, la 12 onces. Voilà. Tu sais qu'il y a des droits d'auteur, hein, Pat, hein. Ouais, mais là, sur ce vestige, c'est à toi, ça, je suis sûr. Il te faut un point rouge pour essayer de viser le joueur en face. À qui veux-tu que ce soit? Bah ouais, et on a du CO2 sur place? Bah oui. T'en as une, t'as une bouteille, toi? Rien que pour toi? Et il y en a combien qui remplissent en CO2? Ici. C'est amplement suffisant. Bon. CO2 quoi. Eh ouais. Ah voilà. Pioter. Tourne mal. Essayer de capter. Voilà. Donc Shadow Clown avec un vestige des billes de clown. Voilà, il y en a au moins deux. Non, non, il y en a deux là. Il y a le world champion de son quartier. Il y en a trois. T'as voilà. Chaton et Sam. Il y a Sam, il y a le rookie. Ouais, il y a Sam. Il y a le petit Sam, celui qui faisait baisser la moyenne d'âge de l'équipe. Pour info. T'as quel âge, Sam? Bah, écoute, c'est Sam, je suis né en 92. Et t'es venu tout seul avec tes parents? Alors, les billes de clown avaient des surnoms à l'époque. Donc, on a eu le world champ. Tu aimes les films de le captain. Et lui, c'était Triso 1 ou 2? Non, Triso, c'était Nico et non. Seth. Non. Voilà. Il y avait gros quiz. Moi, c'est François qui me l'entend. Ah ouais. Tu sais que je l'ai proposé, mais c'est François. Il était venu jouer. Hein, si tu nous entends, François. Il y en a plein qui doivent regarder. Le mec qui raccroche, il a pris là, il a pas. J'ai vu quelques vieux en train de regarder sur leur chaise roulante ou leur déambulateur. Tu t'es pas regardé, toi? Ouais. Ouais, non, moi j'ai encore mes deux pieds, moi. Espèce de vieux. Espèce de vieux. Ouais, excuse-moi, il travaille. Allez, va prendre ta bille. Ok. On est là, nous, les Français. Alors. Shadow Clown d'un côté. Bonjour, monsieur l'arbitre. Enfin, hôtesse. C'est quel match là en ce moment là? Rien à foutre. T'as pas les feuilles? Non, je crois pas. C'est les bleus contre les rouges en général, ça va être ça toute la journée, c'est les bleus contre les rouges. Ah là là, faut tout regarder. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Les French Fry Club contre les Shadow Clown. C'est bon alors, c'est bon. Ah les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont trinqué? Le règlement était clair. Et en plus, vous ne battez pas. Non, moi je suis fair play, mais quand même. Ah, on fait le toss pour choisir le côté du terrain. Ah super, putain, on avait dit quoi déjà tout à l'heure? On prend le fond là-bas pour savoir quel côté. En général, on peut demander l'avis du public. On prend le côté qu'il voulait. On vous fait un gunshake avant de rentrer. Bah, passez la première équipe au gunshake, les gars. Lee, on part de là. Lee, il faut passer au premier.
un commentaire. Donc celui qui tire, et si vous voyez de la neige sortir du canon, c'est le seul joueur qui est en CO2. Allez, on fait le gunshake d'abord. Ah, t'as eu pas une pompe toi? Elle est là. Donc là, les Shadow Clowns sont en train de passer au chrony. Ah, il y a même une pompe. Attends. Tu l'as bien réglé. Moi, je sais pas comment ça se règle. Pompe, ça ne bouge pas. Moi, je sais pas comment ça se règle. Ouais, mais tire un peu vers le haut parce que les billes elles ont tendance à tomber du canon. Non, donc on a d'autres pompes. Non, ils m'ont juste viré le bot, super bot, percé. Bah, parce que j'ai filé à l'équipe quand j'ai arrêté et puis ils l'ont complètement désossé pour récupérer. J'avais une poignée, il était tout argent comme ça, avec la poignée tout argent. Et puis bon, bah, il est beau là le splash. Ah, il y a un gun show. Ça commence bien. La clé. Bisous. Deuxième gun show. Les vieux, ils ont vraiment du mal, hein, et même les jeunes, hein. Ah, c'est dur. Allez, un cocker météo chrony. C'est une horloge, ce truc. Voilà. C'est un tout metteur d'origine, ça ? C'est que le corps ? Bah non, non. Ça a l'air d'être le corps et le reste. Le LPR, c'est du cap, déjà. Pas moi. Je joue pas, moi. Je... Ah, la bille tombe du canon. Est-ce qu'il y a de l'air ? Cookie, cookie. Voilà, il regarde les matchs sur le live. Il se dit c'est bon, ça tombe. On a dit que les sportifs ne fumaient pas, il paraît. Hein, Thomas? Les sportifs ne fument pas. Mais les compétiteurs se détendent. Ouais, justement. Ah. Ah là, c'est dur. Ils ont même sorti les vieux masques, les arbitres. Certains, oui. Bah, il y en a même qui sont en pompe. Attends, t'as pas froid, toi, en short? Ça va. Toujours en short. Attends. Comme il a un damar. Ah, il y en a, ils sont équipés, hein. Ah. Nous avons un Stambeck fougère. Attends, Claudet passe à la télé avec son... Fontaine. C'est collector, ça, hein. Oula. Avec les magazines, hein. Tu t'en sers pas pour caler des pétables avec? J'en ai plus. T'en as plus? J'en ai plus. Faut dématérialiser à notre âge. Ah. Où t'as chopé ce Renegade? Hein, petit malin, ouais. À qui tu l'as volé? 93. Ouais, c'est un collector celui-là, il vaut la peau du cul. Ouais, ouais. Bon, allez, ils ont réussi à finir le chrony. On va peut-être commencer les parties, hein. Donc nous avons les Shadow Clowns à droite, normalement, avec les brassards
rouge. Et nous avons en face le Free Fight Club. French Fight Club. Ah, nous avons un autre vestige, là. Oui. Voilà. Et ouais. Ça ne nous rajeunit pas, hein, Galo. Alors, il jouait Conan dans quelle équipe au début? Templier, non? Si mes souvenirs sont bons. Non. Il n'ose pas l'avouer. Pegasus. Ah ouais, Pegasus, ouais. Ils sont tous en vert, déjà. Jamais joué les pauvres. Jamais. Ah bon? Non. T'aurais pu. J'aurais pu, oui. Attention, on donne le départ. Ils ont caché des trucs. C'est parti. Donc le Free Fight Club commence à se positionner là-dessus. Ouh là là. Ouh, ça commence très fort. Ah ouais, ça passe. Ça passe. Pour l'instant, il ne se fait pas engager. Et il commence à engager. Donc il a un petit choker CVO. Donc les Shadow Clowns, ils commencent à se mettre en ligne face. Et c'est pas évident à trouver. Parce qu'ils sont tous cachés. Tous camouflés. Voilà. C'était là. C'est marrant, tu vois personne. Ok. Le nidal a sauté, Donc nous avons un moins un côté Shadow Clown. Voilà. Donc quand le joueur est éliminé, il remet son brassard d'élimination à l'arbitre. Voilà, progression. Free Fight Club. Donc il a un vis-à-vis carrément à l'opposé, au pied de l'arbitre, tout au fond. Nous avons un deuxième Shadow Clone qui saute. Troisième Shadow Clown est éliminé en essayant de se placer au fond. Putain, le Marseillais, il est très sollicité en ce moment. Hein. Ah. Donc le Shadow Clown se prend un trait de bille de ses petits camarades de jeu. Donc il nous reste quoi? Alors. Drapeau pris. Je crois qu'on nous a un problème de pression. Je pense qu'il a un petit problème d'air. Avec son CO2. Et voilà ce que j'ai. Plop, 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 tranquille. Qui croit qu'il peut marquer? J'essaie. Ouais, le drapeau est en base. Hein. Ah, ouais, je crois que là c'est un peu mort. Il a peut-être pas compris que le drapeau c'était en face. Et ouais, à son âge, il a du mal avec les sens d'orientation. Donc le drapeau a été raccroché côté Free Fight Club. Il doit rester un joueur ou deux dans l'équipe adverse. Là, on a un touriste qui a réussi à faire le tour par la gauche. Parce que toute l'équipe droite passait vers le fond pour raccrocher. Match terminé.
Donc on va aller faire un tour sur le deuxième terrain. Bon, allez. Tu joues là ? Non, je suis là. Sors de bord. Ah, on a du carnage là qui va jouer ? Eh ouais. Contre qui ? Contre Predator 1. Predator 1 ? Oh là là. On vous a dit qu'il n'y avait pas de buzzer sur le terrain ? Oui, t'inquiète, on a compris. Oui, oui. Donc avec les carnages, on a quoi? On a un Stambeck et un Bruce. Ouais. Attends. Et Bruce Bois, ouais. Oui, mais ouais. T'es pas chez Carnage. Ah non. Non, non, il est pas. Mais voilà. C'est le carnage d'un jour. Non, non. Par contre, j'ai mal géré après parce que moi je voyais pas grand chose en fait. Donc, ah pas ouais. Le premier match, tu te dis après le match contre demain. Ah ouais. Deuxième match, en fait, il y a les espaces et là le mec il m'attendait, j'aurais pas dû essayer. Ok. Donc nous allons avoir le test chrony. Hey, Fred, Zulu, let's go. Donc dans le roster Predator, nous avons Maxime Gorecki, Grégory Van Verberg, Claude Sonnes et notre petit nounours des Brousses. Et dans le roster Pred, ça c'est une bonne question. Non mais Gérard, il passe à beaucoup. Le test chrony, on commence à fixer les brassards sur les joueurs. Donc les Predators en bleu et les Carnages en rouge. Sinon, si tu commences comme ça, tu dis pas. Dans ce cas-là, c'est des mecs ici. Ah. On a Dalimi qui traîne. On a réussi à trouver 12 gars. Il est où Rico? Ah, pas l'odeur qui traîne dehors. L'autre terrain. Ah d'accord. Il y a sa taille pour le brassard? Je pense. Le rose du Vassili. Jérôme, est-ce que je peux t'emprunter ton odeur? On joue après, à quoi? Ah bah attends. Si c'est compliqué, c'est la chance. Ah là là. Marche pas ton odeur? Hein? Marche pas. Bah il marche mais... C'est pas grave, faut secouer, c'est manuel. Ouais, ça tient pas assez vite moi. Ah, voilà. Même pas pour le 5-5, hein. T'imagines? Alors que le loader il va 4 fois la vitesse du lanceur. Donc nous avons les Preds d'Ator à gauche, les Carnages à droite. Ça ne voit pas très bien. Hop là. Donc on commence ça avec les Predators.
les prédateurs font leur petite guerre. Donc, ils sont tout au fond là-bas, sur la base de départ. Bien sûr, il y en a qui me tirent dessus, parce qu'ils ne savent pas viser à leur âge. Et on attend le départ. Dix secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coucou. Et c'est parti. Donc nous avons deux à gauche, deux à droite, un centre. Donc là, les prédateurs, ça commence à se poser tranquille. Les checks, ça commence à pleuvoir. Nous avons un Preds qui est déjà au pied du drapeau. Ici, c'est très visible, au fond devant moi. Et à côté. Donc nous avons du Karmashi Forest. Donc les carnages sont quasiment tous en ligne. On les distingue à peu près qui dépassent de leur obstacle. Ça communique beaucoup. Un petit collector. Ils sont en train de refaire une prod. C'est vrai ? Ouais. Ils ont sorti des vieux logos Angel. Et ah ils sont en train de refaire une prod Angel. Avec les logos, de, avec la, l'empreinte, les choses comme ça. Ouais. Ça va être sympa, bah, ça se vendra. Ouais, ouais. Parce que les autres, ils avaient une côte. Ouais. Donc, ouais. Donc ça ne bouge pas, personne n'est illuminé pour l'instant, le drapeau il reste à sa zone. Ah, nous avons un Preds au pied du drapeau. Carrément, il n'y a plus qu'à tendre le bras pour l'accrocher. Mais c'est pas évident pour lui. Ah, il a essayé de le prendre, il n'est pas arrivé. C'est bon, drapeau pris, côté Pred. Donc nous avons une série d'obstacles sans trop appeler le château. Ouais, c'est en ce moment c'est les soldes pour le vieux campeur là parce que personne ne bouge, tout le monde est sur son obstacle. Il y a un temps la faiblesse d'un de joueur d'un côté comme de l'autre pour pouvoir progresser. C'est un peu le jeu de tranchée. Ah, nous avons un prêtre qui s'est placé un peu sur le centre droit. Pour l'instant, ça ne bouge toujours pas.
Non, c'est pas con, il y a de l'envie. Il est bourré d'envie. Voilà. On voit pas comment ça peut évoluer. Ils ont le drapeau en même temps. Il y a la première possession, c'est déjà ça. Il a 5-5, oui, sinon. Il est pas. Il a 5-5, oui. Il est pas à 5-5, non. Non, je crois pas. Non, il n'y a pas de lutteur. Tu tires pas avec un lutteur. Et là-bas, il y en a un aussi qui a rapide. C'est pour le même. À gauche, un prêtre qui doit progresser un peu vers le centre. Voilà, t'as le bois au fond. Nous avons un autre qui est tout au fond là-bas, ici. Donc déjà, c'est le deuxième ou le troisième pot. Tiens, qu'il ballon, tiens, qu'il ballon. Deux canons, deux canons. Ok. Deux canons, deux canons. Nous avons notre photographe culinaire en rouge là qui nous montre sa lune. À chaque fois qu'il se passe, je pense un petit peu. B1 B1 Ah, un carnage vient de B1 tomber en côté droit. Tandis qu'un prédateur également vers le centre vient d'être éliminé. Donc pour l'instant 4-4. Bouge côté Il est mal, deuxième carnage saute. Il a pris l'odeur. La place est reprise. Where did you get your bot? Just in the life, yeah. Oh, just gonna one get bot. There's this one. No. One on the other side too. Yeah. Donc il reste d'abord Donc ça doit être en deux contre deux. I'm gonna get mugged here and then I got fucking shot. The problem is we've got Twiz out here, yeah, and Johan over this side, yeah, and the flag is sitting there behind the flag section on the floor. Progression. Oula, ça commence à être tendu parce que là il est un peu découvert le pred. Qui sont nettement plus vastes.
se retrouve entre croisés. Ok. Juste le drapeau, hein. Ok. Donc ça s'est joué de peu. Un prédateur au niveau du château à gauche s'est retrouvé en duel avec un carnage. C'est assez près, en parallèle. Voilà. Donc première possession de drapeau pour les prédateurs et égalité au niveau des joueurs. Donc il y a égalité au niveau des joueurs, mais première possession pour Pred. Non, il y a égalité. Non, ils ont pris le drapeau. Ouais, mais ils ont moins de joueurs vivants. Donc un joueur vivant. On en a trois. Ah ils d'accord, donc c'est une égalité. Voilà. Dommage. Et là maintenant, ennemi dans les bois. Donc on a du ennemi, on a du Elwood, de l'ex-tonton, belle brochette de joueurs. Donc toi tu comptes le nombre de morts, Les tables, on compte les joueurs éliminés. Putain, j'aurais dû bouger avant au final. Enfin, Matt. On n'a pas le décompte en fait. On a pas ça. Un capitaine Carnage ou quelqu'un qui signe? C'est quoi le comptage? Non, pas le nom, c'est combien, pas le nom. Hein, un joueur vivant, c'est combien? Enfin, un joueur tué, c'est combien? 5? Comment ils peuvent gagner de 8 points? C'est 3, je sais plus. C'est combien un joueur vivant? Un joueur vivant, c'est 1 point. Un joueur tué. C'est là-dessus qu'ils vont faire le. Et la première possession? C'est 20 points. Voilà. Le transit, c'est 20 points. Donc il y a une première possession plus transit. Moi, je fais tout. Comment? Possession et transit, c'est la même chose. Transit. Non, le transit, c'est la fin de partie, c'est par accrocher qui a le drapeau. D'accord. Et la possession, celui qui arrache le drapeau, il a 20 points déjà. Le drapeau, c'est 20 points. Voilà. Même si tu perds après, t'as tes 20 points. Donc c'est que si t'es en train. Le temps s'arrête. Ouais. Personne n'a raccroché. Celui qui possède. Qui possède. Le transit. Si t'as décroché et que t'as le transit, tu fais 40 points. Alors, on a qui maintenant? On a ennemi, je pense. Toi, t'aimes ça, toi, hein? Peut-être que lui, il va se sortir tout seul. Non, c'est bien. Ennemi contre Fred? C'est vous qu'on joue? Pas encore. On joue contre pas vous. Pas encore. Soyez pas impatients. On joue contre vous, là? C'est sûr que tu t'es pas trompé de terrain. J'ai. T'es dans quelle équipe? Je sais plus. French Club. French Club. J'en sais rien. Bah c'est vous avez chopé le Marseillais, c'est pour ça. Hein? Capitaine, please. Capitaine ennemi. Jérôme. Ils ont cru que c'était un hunt. Oh, il est pas venu, mon fou. C'est bien, c'est vieux. C'est un fait, c'est un malheur.
Alors, comment ça va se jouer? On a trois équipes. Donc on a ennemi d'un côté. Un gros corps. Quatre fleurs en l'air. J'ai resté collé sur les genoux. Mon menton a tapé sur le sol. Allez, vieux, j'ai des couches sur le menton. Ah, il me manque un peu d'ada là quand même. Ah, ben pourquoi il est pas là, le fils de pute? Crossfit tonton, c'est lui mon père. Mais carrément. Donc, on a Predator contre le Free Fight Club. T'imagines, ça arrive pas comme ça, détruit. Comme disait Eric, comme ils ont appris. Donc le free. Attendez. Donc on a ennemi à gauche et nous avons Fred droite en bleu. Ennemi à gauche grâce à rouge. Bon là, ça commence un petit peu à se réchauffer parce que ce matin c'était hivernal pour certains. Ah, ça pique grave même. Donc là, on a un soleil avec un beau ciel bleu. Corps. Donc les arbitres commencent à se positionner. Le drapeau central est bien au centre. Il y a Predator qui vient de lancer son petit cri de guerre. On n'entend rien côté ennemi pour l'instant. Ah. 10 secondes. C'est parti. Donc les prêts, on a. Pour l'instant, ils sont quasiment tous au fond. Personne ne tente le drapeau. Côté ennemi, pareil. Ah si, ça a progressé de mon côté, donc le côté droit. Donc on en a deux côtés droit. Côté Fred, ça commence à bouger. Côté droit, pareil, deux. Ah. Je commence à goûter aux joies du bronzage allongé. Nous avons deux prêts en proximité de la bande. Et les deux au fond. Ouais, ah, nous avons un prêt éliminé.
coup. T'as joué là un peu? Vas-y, il est parti où? Ah. La palette, j'ai le mix sur moi. Un petit avantage de certains obstacles, c'est qu'on peut regarder à travers dans des petits trous. J'ai le mix sur moi. Donc on a le Predator du fond qui est sorti. En gros on a une ligne. Ça communique beaucoup au côté anglais. Les premiers pots commencent à sauter. J'essaie de tirer sur les lignes. Nous avons un ennemi qui vient d'être éliminé. Donc ça passe à 4-4 pour l'instant. Le drapeau était pris côté en première possession par ennemi, visiblement. Non, il a l'air de tirer. En fait, il ne peut pas sortir vers le côté intérieur de terrain. Il a essayé, il n'y arrive pas. Au son là. Ah, ça pourrait se côté Predator en longue bande. Il faut planter son cul, hein. Parce que là, c'est limite. Ouais, ça fouette, hein. Ok. Hop, ça avance. Château. Ah, voilà. Ah. Un Predator vient de passer au château. Deuxième Predator illuminé. Prédateur éliminé, il y en a qui tombent. Aïe 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 aïe. Ça se présente mal pour ennemi. Je crois qu'il ne reste plus qu'un joueur. Un joueur ennemi contre deux prédateurs. Mais il y en a un autre côté gauche. De deux, je crois. À 2-2. 2-2 deux, deux. Ouais. Il y a deux prêts, deux prêts et deux. Ok, donc. D'accord. Deuxième prêt et au fond là-bas. Tout au fond. Tout au fond là-bas. Et Jérôme est cuit, là. Et ouais. Le deuxième, il est. Je ne sais pas. Moi, je pense plutôt que c'est un contre deux. L'autre, je ne le vois pas. Il me semble que j'en ai eu un mec qui est allongé dans les tickets. Je le vois.
D'ici là, je le vois. D'ici, je le vois pas. Si, si, il prend de l'angle, il va aller prendre la fille. Je vais faire un fif. Bah, moi, je bouge pas. Fred se recentre. Bleu, là-bas, non, le mec en bleu, c'est un cadreur. C'est un non, c'est un cadreur. C'est un cadreur. Il filme. Il doit y avoir un mec à côté. Hein. Donc il y a le mec à côté, mais il est caché. Pour ça. Donc c'est 2-2, ouais. Hop, ça avance. Pour l'instant, vu qu'ils n'avaient pas décelé où se trouve le joueur. Ça progresse, voilà. Ouais, d'accord. Non, il est tout seul. C'est il y a Jérôme, il est tout seul contre les deux. Et il peut pas le shooter en croisé. Donc il est sur la gauche derrière l'obstacle debout. Nous avons les prêtres qui sont un au fond. Mais ils sont en vis-à-vis, donc ils peuvent pas le. Ils peuvent pas l'engager. Ils ne pas l'engager l'un et l'autre. HD direct. Ouais, mais en 4 clés, c'est encore. Non, ouais, en HD. Ouais, en HD, ouais, je crois. Ah, ça commence à bouger pour passer en centrale. Aïe, aïe, aïe. Il engage, mais comme il est à poil, voilà. Il s'est fait dégommer, un contre un. Ouais, le Pred se fait éliminer. Simultané. L'arbitre a fait le geste côté gauche. Bah, l'autre aussi s'est fait éliminer en même temps. Ouais, mais ça va négocier. Il n'y a plus personne. Ouais, il prend les coups. Bon, ben. Il ne restait plus que. Donc les deux joueurs sont fait éliminer en simultané. Donc visiblement. Pas de points. Enfin, peut-être les points de première possession. Élimination. Okay. Bon, on va faire un tour sur l'autre terrain. Pas tout ça. Alors, monsieur Jérôme, on a tenu jusqu'au bout. Hein? Le dernier des ennemis. Face à deux. Et les deux, et les derniers qui sont tirés en simultané. Oui. C'était bien joué. Alors les gars, moi ce qu'ils m'ont dit, ils viennent et tout, ils m'ont dit ah, mais bon là les mecs ils tirent vachement dessus et tout, donc je pourrais le faire mais je l'ai pas vu. J'ai hésité à venir derrière toi après. Moi j'ai hésité à French Fight. Capitaine please, capitaine ennemi, capitaine Maasai. Et toi j'aurais posé la question sur les deux, ils m'ont dit ah non. Attends, file 1, nous on est file 2. Captain, Sab, Sab. Là c'est ennemi Predator Maasai, là c'est HO ça tire. Non, vous avez un décrochage, vous tuez tout le monde, c'est 45. Et le 9e match. Là, j'ai fait mieux que Choisy. En fait, on a une 20e match. Vas-y, bouge tu ramènes. J'en ai eu. You kill everyone. 45, 22, ouais, on a. They get transit. No transit. No transit. They got first grab. He died. Thank you very much. Thank you. Ennemi, capitaine, faut que tu ramènes la feuille. Merci, thank you. Donc là, on retourne, on va faire un tour sur le deuxième terrain. Et c'est le passage obligé pour revenir sur la zone d'accueil. Le temps commence à bien se réchauffer. Ah, nous avons le Castal qui est arrivé.
pour le repas de midi. Le compresseur. Sois dans l'action, prends ta licence. Ouais, c'est bien battu. Il en pense quoi, le... Ouais, c'est bien battu. Ah ouais, ça va. Il était 2-1, il y en a un qui le charge, il le sort. À poil. Et l'autre en vis-à-vis, malheureusement, avec le drapeau. Donc, c'était pas loin, mais c'était marrant. Parce que tu récupères ton temps plus haut. Ok. Ouais. On va goûter un peu. Attends. On va prendre un petit gazdal. Ça réchauffe un peu. Et voilà, toujours en train de picoler. Il va falloir créer un antidopage hein, pour la Fédé. Hein a, vu que déjà, ils ont fait pour la pétanque. Hein. Vous avez déjà fait un match là? Deux. Gagné, perdu? J'ai fait un petit carnage avec ce Splash 3. Ouais. Et là on gagne les. D'accord. Ok. Il y a eu, tout à l'heure là sur l'autre. Ennemi contre Pred. Ça se termine no points. Les deux Pred, ils attaquent en croisé le dernier ennemi et il les sort les deux. Et il se fait dégommer en vis-à-vis, en simultané. Mais c'était bien joué. Ça joue bien. Ouais. Pour l'instant, vous avez joué sur l'autre terrain là-bas. Pas sur celui-là. Non, ouais, on a fait que sur celui du fond. Là, normalement, on va aller jouer sur l'autre. Ouais, mais c'est pareil, c'est un terrain avec des arbres. Voilà, il n'y a que les buissons et les arbres qu'on peut pas bouger. Ouais. On peut pas se coller dessus comme les gonflables. Hein ouais. Mais t'as des petits trous pour percer le canon. Donc faites attention au backpack et aux pieds. Ouais. C'est bon, vous avez mis de l'herbe, vous avez mis de l'herbe. On fait un tour sur l'autre terrain. Ouais, ouais, bien sûr. Tu surveilles le feu là. Y a quoi la choucroute à midi? Ouais. Oh, ouais. Une petite raclette, hein, je pense. La raclette c'est. Et Thomas, il vient pas? Bon. Tu peux bien s'il passe, qu'on passe en bas. Si ton patron arrive, oui, bien sûr. On passe en bas aussi. Hein. Ouais, je vais l'appeler. Ouais, ouais, non, mais fais attention parce que ça, c'est un live et là, je te vois là. Attends. Et tout le monde t'observe. Allô? Oui. J'ai même Captain qui te regarde. C'est vrai? Eh ouais. Moi je suis serein, j'ai jamais rien fait de mal. Je suis toujours arrivé à l'heure au travail. Je pars toujours après les autres. Oui, Carlos, j'arrive. Allez, va. ouais. Allez.
La fois, eh. C'est 15 euros le lanceur, putain, il est pas cher. 15 hein. euros le lanceur, pas trop cher. Ouais, ouais. Bah, tu sais, le pitbull, c'est plus cher, hein, maintenant. Maintenant, c'est un peu plus rien, le pitbull. Alors, tiens, bah, je connais ce type-là, là. Hein, il joue, là. Bah, il fait les locations. Moi, je joue avec les locations, exactement. Ouais. Alors, en fait, scène, il paraît que tu étais entraîné pour le lancer de photographe derrière le, ah, ouais. le truc. J'aurais su, j'aurais tapé plus fort dans la balle. Ouais. Ah, il a... Bah écoute, hein. Bien dormi. Ouais, ouais, nickel. Mmh, bah dis donc, il y a plein de trucs sympas. Ah bah, ils viennent de me dire qu'ils ont perdu contre Predator parce qu'ils n'ont pas pris le drapeau. Non, ils n'ont pas pu le récupérer. Ils connaissaient pas les règles, Nico. Ils l'avaient, donc... C'est la première fois qu'ils jouent dans les bois. Ils ont cherché le buzzer dans les bois, ils l'ont pas trouvé. Ils ont défoncé Scalp sur le premier. Ouais. Mais contre Pred, c'était serré, vraiment serré. Et bah, les Preds, ils ont récupéré le drapeau les premiers. Il m'a dit qu'il était à côté du drapeau, mais il savait pas. Si on lui explique pas les règles aussi. Là. C'est ça, merde. Grosse bec de speed. Bon. Et c'est quoi tout ça? C'est un exemple de ce que t'as pas eu trop eu dans, entre les mains, à part le pompe. J'ai pas eu trop eu dans les mains. C'est le pompe. On avait Scarling, on avait le coacher, on l'a eu. J'ai eu. Ouais. J'ai eu. Quoi? T'as vu un vertébré, toi? Ouais. Celui-là aussi, là, l'ancien, là, avec la truc sur le côté, là. Ouais. Il y a un carnivore, j'ai vu, non? Il n'y a pas un carnivore? Tiens, voilà, carnivore, tac. C'est pas un carnivore, ça. C'est pas un carnivore? Ah non, c'est pas un carnivore. Écoute, il a la même poignée dégueulasse. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est pas... Il n'y a pas de carnivore, là. Non, ça ressemble un peu, c'est quoi? Ça, c'est un KO série. Un rice gun. Free flow. Ça, je sais plus ce que c'est. Ça, je crois que c'est un sterling. Ça, c'est un Z-Force Tortle machin. Oh, le mieux sur la table, c'est celui-là. Ça, c'est un die. Un die? Un die reflex. Eh oui. Tiens. Bon, si je dois en prendre un, je prends celui-là. J'en ai passé un à Thomas, là, mais il me dit il tire qu'à 250. Il m'a dit, hop, t'as pas besoin de manière, t'as qu'à avancer. C'est ça. Alors, il est bien le live? Bah ouais, j'ai regardé un peu ce matin. Ouais. C'est pas un peu parasité? La liaison est bonne? Non, ça allait, ouais. J'ai pas vu des matchs encore. Ok. Ah, bah, si, les matchs, genre. Tiens, un touriste. Ça va, Maxou? Ouais, toi. Ça aurait été long, donc. Hein? Ça aurait été noir, c'était vendredi, mais elle a duré longtemps. Allez. On va faire un tour. Après avoir vu. Voilà. On tourne un petit peu. Voilà. Petit problème de synchronisation. Okay. Ah, un britannique. On passe par le parking. Aller sur l'autre terrain en face. Eh oh, eh oh, on va au boulot. On a joué à 4. Déjà un ennemi qui est en train de reprendre la nature dans son coin, il marque son territoire. Et voilà, toujours en train de marquer son territoire. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venu. Justement,
Jamais trop tard. Alors. Toc. Oh non, pas lui. Ah, oh, j'y crois pas. J'ai bien négocié. Et en plus, je suis pas du tout cher que toi. On est poursuivi par les adref. Bah la moyenne d'âge du Thomas, c'est de 40 ans. La moyenne d'âge? Bah avec... Voilà, avec nous, fait la montée, je veux te dire. J'ai dit la moyenne, donc, les gars. Il n'y a pas que des mecs de 50, 50 ou 60 ans. Il y a que le plus jeune, il a 47. Non. Non, il y a Samy. Chip, regarde, Chip, il a pas... Chip, il a quoi? Il doit avoir 40 ans, Chip. Officiellement, je crois que c'est Chanchan le plus vieux. T'es le plus vieux, toi? Non, j'ai en même âge avec Rico. Bon, allez, en place, nous, on y va. Mais pas beaucoup. Et voilà. Et voilà. Il s'est coupé parce que dès qu'il grandit, ses cheveux deviennent blancs. Il est parti, il avait passé. Ouais, mais lui, il met une casquette. C'est à force de prendre la bille, ça déteint. Ça décolore. Ah ouais, tu vois, il a du jaune partout même. Tiens. C'est à qui ce trophée? C'est plus cool. L'odeur en arrivant, ça m'a rappelé. L'odeur en arrivant. C'est là une page. La mascotte des arbitres, du corps arbitral. Il y a du jaune, hein? Il peut pas rentrer sur le terrain. Un disque ou pas? Ouais. Alors, la partie a commencé, visiblement. T'es timide et puis ça va aller, ça va avancer moins dès le début en fait. Non mais vraiment, c'est sûr. Alors, sur ce terrain-là, visiblement, on a déjà un joueur ennemi qui passe. Pas d'ennemi, tiens. Donc on a pendant la course au départ un carnage à droite. Juste devant nous, les autres qui commencent à sortir les armes. Bah ça doit être c'est Bidou Clown ça. Ta fine équipe, qu'est-ce qui lui arrive là? La plus de gaz à sa bouteille CO2. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on s'entraîne. Donc on peut pas juste reprendre comme ça 10 ans après. Fallait faire revenir le magicien, il aurait fallu disparaître l'étape de score. Ah ça y est. Déjà je crois que ça a l'air d'être plié, non? On n'avait pas eu le temps de filmer. Les griffes du Hunt. Ah, il y en a un, il a paumé son canon en route. Je savais pas qu'il était ici assis. Dommage. Il y en a un, tu sais bien qu'il a toujours un deuxième de caché. Moi j'ai dit que c'était important de respecter la tradition. Merci les. Vous en touchez un au moins ou quoi? Bah, je sais pas. Le mec qui se fait après est un autre. Il était couché comme ça? Non, après il bouge. Il était couché au niveau du corps. Envoie du rêve, Tyler. 100-0. Nous avons du Pred. Ça va. On est bien? Non, on sait pas compter jusqu'à 100, mais on sait compter jusqu'à 10, donc ça facilite le truc, tu vois. Je peux noter en observation 2 minutes 02. Voilà, record du terrain. Ils n'ont pas battu notre record. Des ennemis. Des ennemis. C'était jeune à l'époque. Qui c'est qui signe pour carnage? Ouais, c'est l'autre. Maxime, c'est qui les autres équipes comme ça? On va aller là-bas. Il y a Inumi, je crois, et Predator. Massai. Quand tu la ramènes là-bas. All together.
C'est qui la deuxième équipe? Blue. C'est Blue pour Blue pour eux. Ils ont commencé à baner là. Ok, je te remercie beaucoup. Demoiselle, t'en as encore? Ouais, bien joué. Non, du bleu les gars, il me faut du bleu. Du bleu, il y a 500 là, du bleu. Ouais. Il est mort. T'as eu chaud mon Nico, hein? À tomber, hein? À tomber, il y a fini derrière. Tu me le donnes à moi? J'ai fini derrière, au milieu, derrière, au milieu, derrière, un stade de bois, comme ça. C'est toi qui t'as retrouvé derrière là. Je sais pas comment je t'ai raté. C'est qui en face? Il a cru que c'était Dieter. Rico, c'est qui en face de lui? En face de nous, c'est face de nous, c'est. Tu sais qu'il y a une taille. Close Bolt. Je passe. T'as pas eu le règlement? Close Bolt. Je passe. En terre, sans zéro. Tu veux pas aller là? On le repère de loin le bleu. Des fois il y en a qui le confondent et lui tirent dessus. Franchement, nous on part quand il annonce le signal, quoi, on part pas du fond d'avant, quoi. Forcément, non, mais c'est accroché à la chaîne. Je suis en train de picoler le Headrise. Hein, c'est pas Headrise. Ah ouais, bien sûr. C'est quelle la deuxième équipe? T'as été rétrogradé. Le problème, c'est que si nous on prend de l'avance par rapport à l'autre terrain, ça peut créer des décages. C'est possible. Ah, je crois que c'est dans deux. On avance pas. Ah non, c'est sûr. Je vois pas bien, j'ai pas mes lunettes. Et là, oui. Là, tiens, là, là. Il y en a un là, Predator en a, et juste après, voilà. C'est après ce match. Ne cherchez pas un buzzer, il n'y en a pas dans les bois. Bon, on laisse pas Max regarder, hein, on laisse Nico regarder dans combien de matchs on joue, parce que sinon. Là, il y a terrain. Ah oui, pardon, oui. Il y a après terrain, donc ça, après ce match. Après le match, ils ont signé la feuille. Ouais, c'est bon, c'est fait. Merci, Crac. Les gars, après ce match là, ça se réchauffe un peu là. Ouais, ça commence à être pas mal. Au niveau de la température, on est bien. Puis en plus, on est en sous-bois, donc c'est agréable. On a une petite brise là qui vient nous chatouiller la nuque. C'est plutôt cool. Puis bon, les joueurs tirent pas très vite, hein, 5.5, donc on a le temps de vite, on a le temps de se cacher, de passer entre les traits et tout. Ça nous change de d'habitude. Mais bon, c'est très fun en tout cas, très très fun à regarder. C'est un show, c'est des closet bolts. Non, non, moi ça me change pas parce que ça fait des années que je joue avec vous. Là, et donc, tu as qu'un club dans l'équipe qui se fait défoncer. Non, non, ça c'est le terrain. Bon, c'est qui le capitaine Shadow Clown là? C'est toi? C'est l'ancêtre? C'est qui le capitaine, les gars là? C'est Jean-Marie, non? Allez, feu les gars, Tintin? Jean-Marie, je sais pas. Alors, ça donne quoi les matchs? Ta gueule. Ah bah c'est... ça commence. Comme il y a 20 ans, 2 minutes, sauf que nous, c'est nous qui sortons au bout de 2 minutes. Fallait s'entraîner, hein. S'entraîner. Ouais, ouais. Mais t'as des petits jeunes de 20 ans qui ont les genoux et les jambes, forcément. Bah ça dépend, hein. C'était réservé jusqu'à 40 ans. Le Predator... T'as déjà essayé de pomper avec un coqueur? T'as vu la moyenne d'âge? Le titre? Hein? Oh là là. C'est dur. Fallait ramener le magicien, il aurait fait disparaître les scores. Predator Massaï. C'est parce qu'ils ont deux équipes. C'est pas Zulu, c'est l'autre. Massaï. De toute façon, tu vas jouer. Tu vas sur le terrain, tu fais le check. Il a dû se déplacer en fait. Ah ouais, oh les gars, on bosse pas gratuitement. Hein. Faut mettre une boîte avec une cagnotte, avec une fente. Ça c'est quoi, faire un AVC à t'énerver, putain ça s'accroche pas. Oh, ouais. Bon, il va falloir que j'aille sur le terrain, moi, ça continue. Parce que je vois que dalle ici. Ça capte. T'en fais pas, ça capte. Tout le monde. Alors, comment ça se passe? Le monde entier te regarde. Mais.
Le monde du paintball, tu veux dire? Ah bah non, le monde entier. Le monde entier. Tu vois? Worldwide. Ah, c'est génial. Il a dit qu'il allait pas rester. Tu vois? Même Captain dans... Les gars, venez, hey, venez nous voir. Eh ouais, Captain, venez nous voir, franchement, c'est top. Il y a même une buvette. Ouais, on a une buvette, on a un food truck. Il ah, y a des fuites. C'est... Ah, on a des fuites d'air. Non, je venais, c'est génial, c'est génial. Il y a un type, il joue même en CO2. On a des guns venus d'un autre temps qui sont sortis, j'existais même pas. C'est génial. Ouais. C'est dur. Bon, je vais courir bosser. Allez. Attends, on m'interviewait. Sans branle. Et encore un vieux qui a des vieux lanceurs. Arrête, c'est ce que je fais de mieux. Et il a pas tiré la langue. Et en plus, j'ai pas tiré la langue. Ah ouais. Ploup, plop, plop. Peut-être l'armée. Gueule de merde. Ah voilà. Les affaires reprennent. Merci. En piste. Donc nous avons une équipe à droite, quelque part dans les buissons, là-bas, si on voit quelque chose. L'équipe de gauche avec le brassard rouge, de la position où on est, c'est pas très visible. Donc ils sont quelque part au fond, tout droit. 10 secondes de jeu. C'est pas très visuel ce terrain, c'est une bonne forêt vierge. Oh, je comprends plus rien. Mais... C'est parti. Alors, ça se passe. Donc, visiblement, les obstacles sont un peu différents du précédent. Nous avons pas mal de rondins. Ah, il y a de la casse de billes côté Fred. On utilise le petit swab. Curé. Ah, déjà un joueur adverse qui commence à sortir. Donc c'est l'équipe Closet Bolt. Deuxième est éliminé. Pour l'instant, aucune élimination côté Predator. Là, ça commence à être un peu tendu sur la bande de gauche. Devant moi là.
train de tirer vers le centre, qui se fait tirer sur la bande. Malheureusement, c'est pas très visuel. Il va falloir que j'aille faire un tour sur le terrain. Pas grand chose. Trois positions. Tes bandes. Un troisième joueur, Closet Ball vient d'être éliminé. À bouger. Donc deux joueurs près de commencer à progresser côté gauche. Et visiblement, il ne reste plus qu'un seul joueur, Closet Bolt, en face. Contre les cinq joueurs Predator encore vivants sur le terrain. Nous avons une petite touriste du centre. Voilà. Arrête de dire, je suis une touriste. Bah oui. C'est à peu près ça, t'as vu l'heure que j'arrive. T'es en direct. En deck. En deck. C'est mort. Voilà. Eh ouais. Alors, le voyage from le centre de la Terre. Ouais, mais je me suis paumé à Paris, forcément. Eh bah oui, parce que t'as le marathon. Ouais. Voilà. T'aurais pu l'éviter. Et voilà, on fait ça blonde. C'est ça. Voilà. Ça se passe bien ? Ben, ce terrain-là, il a l'air d'être un peu plus fouillé que le précédent. Le trait plus visuel pour les photos, pour en général. Par contre, il n'y a pas de buzzer. Inutile d'en chercher, on n'a pas. C'est juste un drapeau à gauche au centre. Parce qu'il y en a qui ont cherché le buzzer. Ouais. Et regarde. Un aide-ref déclassé, tu connais ? Et non, le max, hein ? Total ? Ouais, ouais, max pour Predator ! Ça va, Véro ? Et toi ? Ouais. Et voilà. Vous êtes perdu dans les bois ? On va rajouter un an. Non, une petite balade dans les bois. Bah non, pas mal. Comment tu vas ? Je m'attendais pas à toi ? Pourquoi ? Bah je sais pas, comme t'as rien mis sur ta page ni rien, j'ai pas vu, j'ai vu que tu voulais. Ah t'as mis un message ? Ah j'ai pas vu, alors ma faute. T'as l'air que je récupère les brassards du Predator quand il ressort. Vas-y. T'as pas vu. Ah vous m'avez touché mais ça. Non, pour l'instant le live. Ouais. Moi de mon côté, il y en a tout à l'heure, ouais, sur les photos. J'étais ouais sur le fond, ouais. Il y en a deux, qui se font bouncer. Et la mascotte ? Bon, un mec, le dernier qui avance là, avance quand tu l'attends sur la bande, il prend du spray en fait, il est pas impacté. Bon, allez. Franchement, j'ai mis un gros doute, quand il est sorti, je suis. Ouais, non, il est juste devant moi. Il est en train de chercher ses plots. Thank you. Donc, il y a 9 ou 10 équipes. Ouais, quand même. Donc, deux équipes anglaises. Oui, j'ai vu ça, les Predators. Voilà, on voit là. Sorry. Voilà.
Donc on a Predator Zulu et Marseille. Hey, ça va, Titi? Thank you, guys. Ça va? Il n'est pas encore sorti? Si, si, ils sont partis déjà. C'est quoi le nom de l'équipe? Closet Ball. Ah, ils sont loin, ils sont loin. Vous oubliez de signer? Yeah, I forgot to take that back. Yeah, that's it. Yeah. Do you want me to take it now? Yeah, yeah, if you can. Yeah. Thank you very much. Thank you. Predator Zulu, il est parti les chercher. Shadow Clone. Ils sont là. Prenez vos brassards, vous voulez quelle couleur? Vous êtes les premiers. C'est plutôt rose. Bon, on va passer sur l'autre terrain, qui est nettement plus visuel que le premier. Chanchon, tu joues ou pas là? Ouais, il joue, Chanchon. Moi, je veux bien tourner. Là, il faut bouger un petit peu, parce que malgré le temps frais, si on n'est pas trop au soleil, plutôt à l'ombre, on a du mal à se réchauffer. Nous avons le voiturier de service, Marco. Ouais, ouais. Là. Donc là, c'est les petits débutants qui viennent pour l'encadrement. Donc on leur explique un peu tout. Taille le masque, mettre le bouchon de canon, la zone de sécurité, les combinaisons. Voilà. On va faire un tour à table d'escort. Alors, la table d'escort, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop là. On a Predator Zulu qui vient de gagner un match et qui ont fait un nul contre Carnage. On a les scalps qui ont gagné les scalps. J'ai Guillaume, oui, sur la deuxième prise du groupe. Tu sais ce que c'est Carnage. La barrette métallique qui est au milieu là? Non. Il y a une barrette métallique qui empêche de brancher une deuxième prise. En fait, je voulais brancher direct sur le groupe. Donc Carnage a gagné contre Scalp et Shadow Clown. Les Scalp, ils ont perdu un match. Il y a un back-to-back contre Carnage et contre. Ils ont gagné Shadow Clown. Ennemi a perdu. Ennemi. 35 à 77. Predator a gagné 77 à 35. Donc Ennemi, ça s'est joué au point son premier match contre Predator Maasai. Et Zulu qui vient de gagner contre Ennemi à 77 sur 35. Ah, les scores sont nettement plus différents que des scores de NXL. Hein. Et oui, tout se compte avec le nombre de joueurs éliminés, le joueur restant sur le terrain, la première possession de drapeau et le final. Donc on a Alien qui a gagné contre Ennemi. Wow. Ouais, premier match. Eh ben, et contre Closet Bolt. C'est une belle journée, Alien, non? Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est une super journée. Hein. Ouais, mais là, j'ai eu le match contre Predator, Ennemi contre Predator. Mmh. Il restait Jérôme seul contre deux. Ouais, j'ai vu aussi. Ouais. Et il en tape un. Il en tape un qui charge, il se retourne et il prend le face à face. Voilà. Et ouais. Donc le French High Club, ils ont un 73 contre. Les Shadow Clown et gagne contre les HO Satyr. Les Closet Ball pour l'instant ils ont perdu deux matchs avec des 0 pointés et gagnent, enfin bon, ils ont un match mitigé à 40 points contre HO Satyr. Sur le 1, sur le 2 c'est ça? Ouais, mais un back to back. Ouais, Satyr a perdu un match contre French Club. Tu vois pourquoi le Toki c'était bien? Tu vois, ça, je dis direct parce que... C'est les Toki du boulot?
Non, non, même pas. Même pas? Non, non, bah nous, on a des trucs cryptés, machin. Bah justement. Ouais. 007. Un peu. De la flotte pour le terrain 1, s'il te plaît. Ah voilà. Tiens. Les vieux, ils ont besoin de boire. Ouais, c'est ça, faut qu'ils s'hydratent. Comment on va faire? Tiens, on va faire plus simple. Vas-y. Non. Voilà. Bon, bah ça se présente doucement. Hein. Alors, Ennemi va jouer contre. Ils ont un petit peu de temps contre Claude Bolt. Sur le terrain. Voilà. Le terrain forêt là-bas. Sur lequel tu as travaillé. Bon. Allez, on va faire un tour pour essayer d'avoir une petite interview des équipes. Essayez doucement. Voilà, Zoulou, Massaï. Ouais. Ok. Bonjour. Hello. Great Open. Super. En live. Close balls. Ouais, je vois. J'ai vu ça. T'as mis un scooper aussi. Ah oui. Bah oui, normal. Close avec bolt. Ultra raquette technique. Bah, il y en a un. On joueur. En a vu un jouer en CO2. Ah, est-ce que c'est le cas chez vous? Non. Non? Bon, alors c'est le seul et unique. C'est chez les Shadow Clowns. Il y a un chargeau. Bah, il y a une bouteille ring pour lui. Ouais. Alors, ça se présente comment? Très mal. Très mal? Ouais, problème de lanceur. Ah, bah problème oui. De lanceur ou de billes? Non, lanceur. Lanceur. Bah, la bille, ce matin, elle pétait un peu, mais ça va. Bien. Non, lanceur, beaucoup de lanceur. C'est faut beaucoup communiquer. Ouais, là, on a du mal à sur le terrain là-bas. Là, terrain, ouais. J'ai remarqué ça, il est un peu différent de celui-ci. Ouais. Celui-ci est beaucoup plus découvert. Ouais. Celui du fond là, que celui-là, il était. En fait, celui-là est plus rectangulaire. D'accord. Mais là-bas, on a du mal à communiquer sur les deux ailes. Faut parler un peu plus fort, c'est pas les gonflables. Ouais, ouais, bah oui, les gonflables sont beaucoup plus courts. Là, j'ai déjà plus de goût. Là. Bah, c'est très simple. Pour la voix, de l'eau chaude et du miel. Tout simplement. C'est bon, il y a plein de choses. Le chauffage central est toujours actif. Ok. Prépare tes alliances. Oh putain, pour le prochain, je serai pas sélectionné. J'ai envoyé une candidature où il y a deux ans que le mec est mort. De toute façon, c'est moi qui serai mort. Un contre-jour, c'est mort. C'est un pote à moi qui fait les sélections. C'est vrai? Bon, bande de vieux coulants, qu'est-ce que ça donne les matchs? Captain Jérôme? Hein? Ah, c'est pas de la leur? Ouais. J'ai pas trop suivi en fait. Mais si. On tire sur des bonhommes. Ouais. Ils sortent, et puis des fois c'est mieux. Et après on chope un drapeau. Ouais, mais ouais. Cherchez pas, y a pas de buzzer. Une couleur variée. Voilà. Des fois on essaie de faire tomber le drapeau en tirant dessus. Le matos est sur à peu près le coup. Il tient le coup. Il est raté. Un loader qui a explosé. Un loader a explosé. Ouais, ce qui nous a un peu le match. On pense quand même qu'il a été trafiqué par l'équipe ennemie. Ouais. Non, c'est pas si l'ennemi, c'est lui. Ah oui, c'est qui alors? Attention, il y a peut-être le fantôme de Boom s'attrape qui sévit hein, sur le terrain. Tour sur le terrain 3. Sander. Le coin casse dalle.
un petit problème technique. Est-ce qu'il me reste du jus? Bon, ben, nous allons avoir une petite coupure momentanée, le temps de recharger les batteries. Bien. Allez, c'était Pat en direct de Spirit of Paint. À vous les studios. À plus. Bon, on va y donner sur